Salut à tous les gamers, c'est Oartek et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo annonce. Je vous l'avais annoncé sur Twitter que j'allais faire cette petite vidéo. En fait, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Enfin, pas mal. Oui et non, mais j'ai plusieurs choses à vous raconter. Donc déjà, comme vous pouvez voir, j'ai un nouveau petit micro. Hein. J'ai plus le casque quand je règle des vidéos comme ça en facecom. Je pense que, enfin, juste où je vous parle, je pense que c'est plus simple d'avoir un micro pied comme celui-ci. En tout cas, la qualité sera un peu meilleure. Parce que sur les dernières vidéos, vous m'aviez dit que mon casque faisait un petit bruit... Un petit peu strident, donc voilà, j'ai essayé de faire en sorte de régler ça au plus vite, et voilà, donc j'ai ce micro là, j'espère en tout cas que la qualité audio est plutôt pas mal. Alors aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Alors j'ai plein de choses à vous raconter. Donc la première, c'est que je viens de rentrer de vacances, on dirait pas, mais je suis un peu bronzé. Non, on dirait pas, hein. C'est trop de lumière. Mais voilà, je suis un peu bronzé, on vient de rentrer de 11 jours de vacances, donc c'était plutôt sympa. Pour ceux qui m'ont suivi sur Twitter, Snapchat, tout ça... Voilà, merci à tous d'avoir regardé un peu mes photos. Si jamais vous avez les détails dans la description, si vous voulez voir un petit peu justement mes réseaux, que ce soit Facebook, Snapchat, Twitter, Insta. Donc voilà, c'était vraiment super chouette, ça fait vraiment du bien, un petit peu de vacances comme ça. Donc c'est vraiment cool. Et là, on repart de plus belle, les amis. Donc j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc je prépare gentiment ma vidéo setup et comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de choses, dont un nouveau truc qui est ici, qui est un poro. Ceux qui connaissent LOL, vous connaissez les poros. Donc voilà, donc je prépare tout ça. Ça met pas mal de temps à faire une vidéo setup. Surtout si on veut bien la faire. Donc voilà, je vais essayer de vous faire ça courant de ce mois-ci. Hein, courant du mois d'avril. Je sais qu'on est début du mois. Donc je vais essayer vraiment de vous détailler ce que j'ai au plus haut. Et je vous aurai à chaque fois le lien dans la description, en tout cas, pour si jamais ça vous intéresse de voir les prix. Enfin. Ce que c'est comme objet tout simplement. Vous aurez tout dans la description. Donc à ce niveau là c'est plutôt pas mal. Donc je vous prépare ça et je vous tiens au courant le plus rapidement possible pour cette vidéo setup. Ensuite, deuxième grosse chose et très importante, comme vous avez pu le voir peut-être sur Facebook ou Twitter, je stream mercredi, donc c'est-à-dire demain, de midi à 20h toute la journée, de midi à 20h, sur Call of Duty, mais je reviens sur les anciens Call of, je vais faire du Code 4, du MW2, du MW3 et du Black Ops 2, mais je stream sur Twitch cette fois. Alors pourquoi vous allez me dire, plusieurs d'entre vous me dire, mais pourquoi tu streams sur Twitch, t'as un site qui est FaceClan, oui c'est vrai, alors on a le site FaceClan, mais le gros problème de FaceClan, c'est que le chat lâche au bout de 500 viewers et ça devient juste pas possible de faire un stream correct et de pouvoir discuter avec vous. Donc voilà, j'ai mis en place toute ma chaîne Twitch, vous verrez ça demain à partir de midi, ça m'a pris pas mal de temps à faire. Mais au moins maintenant, voilà, tout est en place, je vais pouvoir streamer correctement, que ce soit justement... en fait, je vais streamer un peu tout sur Twitch, là c'est Call of, parce qu'on va... J'ouvre la chaîne Twitch avec du Call of Duty, évidemment, mais je ferai aussi du LOL, je ferai aussi du Heroes of the Storm, je ferai aussi du GTA avec Zidar et Parisien qui... c'est son surnom évidemment, qui est un ami à nous, donc on va certainement faire du GTA, des braquages, des trucs en ligne, apparemment il m'a dit que c'était vraiment trop fun, je ferai peut-être aussi un peu de Minecraft avec Zidar, donc voilà, pas mal de choses qui vont être mises en place en tout cas sur ce Twitch, donc si jamais vous l'avez dans la description, n'hésitez pas à aller me follow, hein, c'est totalement gratuit, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, vous pouvez me follow, et vous pouvez activer un truc qui dit qu'à chaque fois que je lance un stream, vous recevez un mail, si jamais vous voulez être tenu au courant. Donc voilà, n'hésitez pas à me follow à ce niveau-là. Et aussi pas mal de choses qui vont arriver. Donc comme vous pouvez voir en fait ici, je sais pas si vous le voyez, mais c'est un pull qui a mon logo. En fait, j'en ai un autre, j'ai un t-shirt noir un peu de ce style-là. Donc c'est un truc justement qui sera dispo, parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont vu des photos qui m'ont dit waouh, ils sont cool tes pulls, etc. Où est-ce qu'on peut les trouver? Donc si jamais je vous en parlerai pendant le live de demain. De ces pulls, normalement ils seront disponibles sur un site, vous verrez, je sais plus exactement les prix, je vous verrai pour ceux que ça intéresse. Voilà, je vous en parlerai en stream demain, si ça vous intéresse, vous pouvez venir voir ça. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Il y a pas mal de nouvelles choses, je vous ai dit, il y a pas mal de nouveaux trucs dans mon setup que je vous montrerai une fois que justement tout sera en place. Mais voilà, je pense que globalement, je vous ai un petit peu tout raconté, mais c'est surtout ce stream qui est très important demain. Pour ce qui est de FaceClan, je vois certains sur mes vidéos qui me demandent « Mais qu'est-ce que tu fais encore dans le FaceClan si tu ne fais plus totalement de vidéos sniper ?» J'en fais encore des vidéos sniper, clairement, mais je fais plus autant de montage et tout qu'avant. Donc, je suis en train, en ce moment, de voir ce qu'on va faire par rapport à ça. Je dis pas qu'on va partir, hein, vous inquiétez pas, ne vous alarmez pas. On va pas partir, en tout cas pour le moment, donc on est en train de voir un petit peu, c'est très très compliqué de joindre FaZe US, hein, pour essayer de faire des trucs avec eux, ils sont très très peu dispo, donc c'est très compliqué.
Donc voilà, mais je vous tiens au courant de toute façon à propos de tout ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo annonce vous aura plu. On se retrouve demain les amis pour me poser toutes les questions que vous voulez. Jouez avec moi, hein, ce sera ouvert, vous pourrez me rejoindre, je serai sur Xbox 360. Donc voilà, on se retrouve demain à partir de midi en live stream sur Twitch, vous avez tout dans la description. Je vous fais un gros bisou, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était WarTech. Allez, ciao tout le monde.